j'en ai mangé un tabarnak. Pas physiquement. Moi, j'étais à Genève, au Bureau international du travail, puis à l'époque, la position de CSN, c'était on préconisait l'utilisation sécuritaire de l'amiante. C'est, on l'avait comme position parce qu'on avait des syndicats de l'amiante. Ben nous, on a fait faire des études, on a fait des débats avec le monde un peu partout sur la planète, au Bureau international du travail. Ben on voyait le monde ici qui mourait de ça, puis tout ça. Et là, moi, comme responsable de la santé et sécurité, on a déposé un rapport et on s'est dit non, c'est le bannissement de l'amiante. Et là, ça va bien, t'es de site, là. Tu vas-tu aller à Asbestos, pas lui dire, oui, je vais y aller. J'ai été. Parce qu'on a encore des syndicats Asbestos. Commission scolaire, tout ce qui est secteur public, à Berlin. T'as présenté Asbestos pour lui dire que t'as pris position pour le bannissement de l'amiante. J'ai été. Je lui ai expliqué que ceux qui voulaient partir de l'usine, puis le gouvernement qui préconiserait ça, ils jouaient contre eux autres. Ils jouaient contre eux autres. Ils se vendent à peu près 1 million de tonnes d'amiante sur la planète, avec l'Inde puis la Chine qui en arrête encore un peu. Il y a Asbestos qui en fait, il y a Thetford qui en fait, il y a Russie qui en fait, il y avait une mine aussi au Canada qui en faisait. 1 million à gang, vous allez travailler 1,5 mois par année, Chris. C'est un mauvais placement. Puis c'est dangereux pour la santé. J'ai entendu des affaires-là épouvantables. Mon grand-père était déclaré en amiantose, mais il fumait comme un. Il dit, tu parles comme le gars de la compagnie? Tu parles comme le médecin de la compagnie? Mais il doit connaître ça! C'est un docteur! J'ai entendu des affaires-là ce soir-là, mais j'en ai marre une, là. J'étais avec Jean Charité, c'est lui qui m'a succédé, là. Il était président du conseil central de Sherbrooke. Puis lui, il avait changé aussi, parce qu'il était d'accord avec la position de CSN. C'était le prochain candidat pour un moyen exécutif. Oh. Puis là, le lendemain, pour se calmer, on était en tête forte. C'était pareil. Bon, il y a été, madame. J'y étais. Ça va être tous deux. Mais ça va faire ses efforts. Peut-être physiquement, il y en a qui vont vouloir. Mais là, on y va. Quand il faut que tu y ailles, il faut que tu y ailles. Hein? J'y étais. Alors, c'est sûr qu'ils n'ont pas applaudi quand je suis parti, là. C'est pas ça que je dis. Mais ils ont su ce que nous autres, le pourquoi qu'on s'était prononcé. Contre l'emprunt, contre le prêt que le gouvernement avait. On ne voulait pas que le gouvernement lui prête de l'argent pour partir ce semaine-là. De toute façon, ce n'était pas la bonne solution. Tetford, ça a été moins pire parce que Tetford, ça fait longtemps que ça a commencé à se recycler dans d'autres choses, puis que la ville a repris dessus dans d'autres secteurs. Puis ça s'était dit. Mais là, ils voyaient bien que le monde mourait autour d'eux autres. Quand ils mouraient de bout, ça respirait plus, puis ça crevait. Mais là, à un moment donné, il faut que tu prennes une décision. Mais je l'ai pris. Mais ça m'a valu, moi, au Bureau international du travail, ça m'a valu. J'avais j'allais dire un ami, mais les vrais amis ne font pas ça. Mais en tout cas, un gars avec qui j'avais lié, m'était lié d'amitié, un camarade de la CFDT. Qui me dit au moment du vote, il dit, Roger, il va pisser, puis vote pas pour cette merde. Il dit, je voterai pas pour cette merde. La CSN préconise l'utilisation sécuritaire. Tu sais que. J'ai dit, écoute bien, Jean-François, c'est pas parce que je suis loin de chez nous que je vais voter contre le mandat que j'ai de ma centrale. Si, ouais, ben, je suis pas de même, de moi, là. J'ai un mandat de la centrale que je respecte, que j'aime. Je vais voter comme le mandat que j'ai, voyons donc. Mais va pisser, faites quoi? Non, j'irai pas pisser, Christ. CSN, ça se cache pas entre la peinture puis la. Hein? Non. Ça se cache pas entre la peinture puis le mur, ça. Puis là, le plus efficace, c'était de s'abstenir. C'est parce qu'au niveau du décompte des votes, ça dépend moi, tu représentes de monde, que il y a des calculs qui se font. Puis voter contre, ça aurait été moins efficace que de s'abstenir. Parce que quand tu as plus d'abstention, la proposition est rejetée. Je dis non, j'irai pas pisser. On m'a abstenu. Moi, c'est pire, mais là, tu. Non, il dit Jean-François. Puis j'ai essayé par après de le contacter pour toutes sortes de raisons. Il ne m'a jamais revenu. J'ai écrit une lettre. La dernière lettre que j'ai envoyée, c'était à lui, en lui disant, tu sais, les débats avancent. Puisqu'on avait été chez lui, moi et Marie-Claire, puis avec sa femme, puis tout ça. Il m'avait invité chez eux, puis une bonne bouteille dans sa cave, puis tout ça. J'avais dit, c'est toutes les démarches que tu as faites.
les as faites pas en fonction de notre amitié, mais en fonction du vote que j'allais prendre. Tu m'as pris pour n'importe qui, ça, j'accepte pas ça. Moi, là, que tu m'invites chez vous, que tu fasses un genre de lobby comme tous les politiciens se font faire parce que tu veux que je change d'idée, je mange pas de ce bain-là, moi. En tant que syndicaliste, on peut pas se faire ça, tu sais. Tu joues franc-jeu, moi, j'ai joué franc-jeu avec lui, là. Je savais que l'amiante, c'était dommageable, mais le mandat que j'avais, c'était l'utilisation sécuritaire. Je ne pouvais pas voter et faire semblant que je n'étais pas là. J'avais le gars du Conseil du travail du Canada qui était avec nous autres, qui me gossait tous les crises le matin avec ça. Il se dit, écoute bien, là, fais ce que tu as à faire, moi, fais ce que tu as à faire, puis corrige-moi patience. Moi, je ne suis pas dans le CTC, puis tu sais pourquoi. Moi, je n'ai pas de syndicat américain dans ma gagne, je ne viens pas m'écœurer que ça. Crise-moi patience avec ton lobby, toi, ma terre, de venant, là, en est plein de cul. Là. Tu feras ce que tu as à faire, moi, fais ce que tu as à faire. Thank you.